Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo pour vous faire le tag My Life in Book que j'ai vu sur la chaîne de Mallory, d'un book, une chaîne que j'aime beaucoup qui fait beaucoup de tags et c'est sympa. Donc j'ai tout noté ça sur un petit carnet comme ça qui vient de chez Emma. Donc en fait le principe est simple, il y a 8 questions et on doit répondre par des livres, donc c'est un tag assez court, mais je vais m'y prendre maintenant parce que quand je parle et ça va, sinon ça va durer 3 plombes. Donc un, trouve un livre pour chacune de tes initiales. Donc tout de suite, donc je m'appelle Marie, donc j'ai trouvé Morgane. Donc en fait ce sont des petits livres que celui-là j'ai pas lu. J'en avais lu un, en fait j'en ai 3 et ça parle de fées. Et voilà, et c'est sympathique, je crois qu'il y a des belles images dedans. Là je tombe que sur des images pas très belles. Mais voilà, il y a des dessins comme ça. Voilà. La couverture aussi, bon il y avait une étiquette là en plein milieu, donc c'est pas très. Voilà. Donc voilà, et pour la deuxième lettre de mon. Enfin la lettre de mon nom de famille que je ne vous dévoilerai pas, j'ai choisi les orphelins Baudelaire, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire et le laboratoire en serpent. Donc voilà, il n'y a que des L dans ce titre de livre. Donc voilà, le compte ton âge dans ta bibliothèque. Donc j'ai 13 ans, je vais avoir 14 ans dans 2 mois, on va dire 2 mois, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, je trouve trop plein de livres. 13, bon, on va dire que c'est celui-là. Donc c'est tombé sur Vampire Academy, le premier tome, Sœur de sang de Richelle Med. Un livre dans ta ville, région, pays. Donc où j'habite, ils ont fait des petits livres, enfin je les ai pas ici. Si ça a un petit peu changé, c'est parce que j'ai eu des petits problèmes avec mon appareil photo. Donc voilà, j'ai choisi Caleb, du coup, le premier tome de Mira et Jundir, parce que ça se passe en France, parce que c'est une écrite, enfin elle est française. Du coup voilà, c'est le seul bouquin que j'ai d'un français, enfin française, et qui se passe en France. Donc voilà, du coup bah ça veut, bah, c'est un petit peu obligé que ça soit lui. Donc voilà. Ensuite 4, un livre qui représente une destination que tu voudrais visiter. Donc très simple. J'ai choisi The Mortal Instrument parce que je rêve d'aller à New York. Donc j'aimerais beaucoup aller à New York. Et surtout si c'est dans ce New York là avec des chasseurs de démons et tout, ce serait trop cool. Mais bon voilà, je pense que la question c'était un peu un endroit qui existe réellement, parce que sinon j'aurais choisi peut-être Poudlard ou voilà. Un 5, un livre de ta couleur préférée. Donc tout d'abord je tiens à dire que j'ai pas vraiment de couleur préférée. Pour moi, à mes yeux, toutes les couleurs sont belles. Il y a juste des couleurs que j'affectionne un petit peu moins, comme le jaune, que je trouve pas ça très joli. Mais toutes les couleurs ensemble, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel enfin ensemble, je trouve ça très joli. Mais si je devais choisir une couleur en particulier, ça serait cette couleur là. Déjà la couverture est magnifique avec ces robes de princesse qui nous font rêver un peu. Et j'adore ces couleurs là, ces bleus, verts, enfin voilà, j'adore ces tons de couleurs là. Du coup bah ça serait vraiment ça ma couleur préférée. Après j'aime bien aussi la couleur corail, mais je pense que ça c'est cette couleur là ma couleur préférée. 6, quel livre as-tu le plus de mal à lire? Alors ce livre là se trouve là-bas, donc dans l'endroit où il y a des livres juste à l'opposé d'ici. Donc je vais le chercher et je reviens. J'ai pris le premier tome du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau de Tolkien. Donc celui-là c'est en jeunesse, donc avec des textes un petit peu plus, un peu moins de chansons je crois, un petit peu plus léger on va dire. Mais j'ai quand même eu du mal à les lire, je suis contente de les avoir lus parce que j'ai tout bonnement adoré les films sont juste géniaux. Et du coup je voulais les lire. Je vous avoue quand même que j'ai mis presque un mois à lire chaque livre. Ça a été vraiment, j'ai mis vraiment du temps à lire les livres. Peut-être pas un mois, j'exagère, mais j'ai mis pas mal de temps à lire les 3 livres. Donc là je vous montre le premier, mais j'ai lu les 3 et je suis contente d'avoir terminé. Surtout le dernier, parce que le dernier m'a un petit peu plus plu parce qu'il y a un événement qui se passe
qu'il n'y a pas dans le film de la bataille des Hobbits, et j'ai trouvé ça sympa. Je préfère lire quand je connais pas l'histoire que quand je connais déjà l'histoire. C'est un petit peu plus sympathique à lire quand on connaît pas l'histoire. Donc voilà, j'ai eu du mal à lire cette trilogie qui est quand même géniale, mais un petit peu du, enfin pas facile à lire. Et j'ai sauté une question. 6. Avec quel livre tu as les meilleurs souvenirs? Donc ce livre là se trouve là-bas aussi. Harry Potter et à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Donc j'ai pas fait dans l'originalité, on va dire, mais c'est un très bon souvenir parce que c'est il coûtait 6, on l'a payé 6,80€ avec l'étiquette orange absolument horrible. Pourquoi j'ai choisi ce livre là parce que c'est le premier vrai livre que j'ai lu, je devais avoir dans les 7 ans. J'avais beaucoup aimé le film, je crois, je sais plus, mais du coup je l'avais lu, c'était un des premiers, c'est vraiment le premier vrai livre, on va dire, le plus long, le premier vrai livre que j'ai lu. Après j'avais lu d'autres livres, mais enfin, des trucs assez simples à lire, et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi, parce que j'ai un très bon souvenir de ce livre. Et j'adore Harry Potter, j'adore les films, j'adore les livres. J'ai pas lu tous les livres, j'en ai encore quelques-uns à lire. Mais maintenant que tous les films sont sortis, je sais pas si je vais les relire. Après, peut-être attendre un petit peu avant de les relire sous un regard un petit peu plus adulte, on va dire, un peu plus grand. Mais voilà, c'est donc un très bon souvenir parce que j'adore, quand j'étais petite, j'étais vraiment fan d'Harry Potter. Je le suis un peu moins, mais j'aime toujours autant. 8. Quel livre te rendra fier quand tu l'auras lu? Donc un livre que j'ai pas lu qui est dans ma palle. Alors, qu'est-ce qui est dans ma palle? Donc j'ai choisi Voyage au centre de la Terre que j'avais commencé à lire de Jules Verne. Donc je l'avais abandonné, je sais plus pourquoi. Peut-être parce que c'est écrit trop petit ou que ça m'ennuie un peu. Et j'aimerais bien essayer de le recontinuer. Voilà, parce que c'est déjà l'objet livre est vraiment très très beau. Donc c'est ma grand-mère qui m'avait passé. Et voilà, pour essayer de le relire parce que j'avais vu le film. J'ai vu, il y a 2 films je crois. Le deuxième m'avait pas plu du tout. Ouais, j'avais peu aimé. Le premier ça avait été. Et puis voilà, c'est quand même Jules Verne. Donc c'est assez connu et c'est... c'est quand même bien, enfin l'histoire est bien, enfin c'est quand même un bon écrivain. Enfin, et du coup, ce livre ne mérite pas d'avoir été lâchement abandonné comme je l'ai fait. J'ai encore quelques autres livres que ma grand-mère m'avait passé du même auteur. Et faudrait que je me relance à le lire parce que voilà. Hein. Et bon, je sais pas quand je le lirai, donc je le range. Voilà, ce tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a bien plu de le faire. Je trouvais très drôle, donc n'hésitez pas à le refaire. Donc dites-moi si vous l'avez refait, j'irai voir la vidéo. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!